Yo les gars, on se retrouve pour la partie numéro 5, il me semble, je suis plus trop sûr, du tuto, enfin du tuto, de la construction plutôt du vaisseau spatial. Et on va notamment voir dans cette vidéo beaucoup de changements par rapport au vaisseau. Donc là j'ai fait ça, je sais plus si je vous l'avais montré, honnêtement ça fait une semaine que j'ai pas tourné, donc je me rappelle plus trop, je suis parti en vacances on va dire un petit peu pendant une semaine. Donc j'ai pas pu faire de vidéo, mais j'ai du coup je me rappelle plus trop ce que j'ai fait, donc je sais plus si je l'ai fait. Donc sinon voilà, j'ai aussi, parce que quand je suis parti en vacances j'ai beaucoup réfléchi et alors j'ai eu des flashs, hein. Et j'ai des super bonnes idées, donc qui vont donner vraiment de la profondeur au vaisseau. Et en fait j'ai retiré la porte ici. Pourquoi j'ai retiré la porte? Parce qu'en fait 4 portes ça fait trop. Et une fois qu'on est à l'intérieur du vaisseau, en fait, si vous voulez 4 portes, alors attendez, regardez ce que je vais faire. Il y en a un, en fait, c'est vrai que vous m'avez souvent dit dans les commentaires qu'on voyait pas assez. C'est vrai, c'est un petit peu chiant en fait, mais moi, en regardant la vidéo après, c'est pas top, on voit presque rien. Et du coup, on va se mettre comme ça, hop, voilà, donc là tout de suite, ça paraît plus gros. Et en fait, ouais, 4 portes, c'est un peu compliqué parce qu'on a un trop petit espace ici et tout. C'est entre la porte 1 et la porte 2 ici, on n'a pas assez d'espace pour vraiment mettre beaucoup d'engins. Donc du coup, moi, en fait, ce que j'avais idée de faire, c'était ici. Excusez-moi, je commence à être enrhumé un peu. Donc ici sera la sortie des gros vaisseaux. Vous voyez, des transports de troupes. Je vais refaire des transports de troupes, je pense, des petits. Et en fait pour la sortie, donc là il y aura les transports de troupes qui seront ici, peut-être qu'ils vont arriver juste, il y en aura un là, un là, en fait il y en aura 4 ici, et en fait tout le reste, on verra, je sais pas comment je vais faire encore, des vaisseaux de la flotte seront là, sur les côtés. On va faire des grandes rangées, je vais faire des grandes rangées, et ils vont sortir par le dessus, en fait il y aura une trappe qui va s'ouvrir, et donc voilà. Hop, excusez-moi, ça a coupé. Alors, attendez, hop, Sash Wither. Clear. Voilà. Et donc voilà. Ensuite, ici, là, je vais décaler toute cette partie-là d'un bloc complet. Donc, attendez, regardez ce qu'on va faire. On va d'abord faire de là. Voilà. On va faire slash slash copie. On va se mettre là. On va faire paste. Voilà, donc normalement ça l'a copié. Et on va faire ça de là. Ah, là, vous allez comprendre pourquoi après je refais ça en fait. Enfin, en soi, c'est pas hyper utile. Mais ça m'aidera à me repérer. Oh, quoique. Ouais, si. Ouais, si, 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 quand même. Quand même. On va faire ça pour les deux côtés. Donc, on va faire ça deux fois. Hop. De là à de là-bas. Ah, ici. Voilà. Mince. On va faire ici, on va se mettre là un petit slash slash copie. Et on va se mettre là-bas. Et un petit slash slash paste. On va se mettre là, on va faire la même chose. Voilà, bon bah là on n'a plus besoin de. On n'a plus besoin de le faire, on va juste prendre. Hop, voilà. Donc on va faire ça. Et on va faire pareil rapidement pour l'autre côté. Donc on va prendre là. On va aller de l'autre côté. Donc en fait tout de suite il paraît plus gros. Parce qu'il n'y a pas la porte du coup. Mais ce sera travaillé au centre. Genre, ça va pas rester comme ça, une grande ligne droite. Ça, vous inquiétez pas là-dessus. On va le prendre là.
Voilà. Hop, on va se mettre là. Slash copy. On va se mettre de l'autre côté et on va faire un petit slash paste. Et aussi donc, je me suis renseigné un petit peu sur World Edit et j'ai trouvé des commandes très sympathiques. Et vous allez, alors je vais vous montrer. Paste. Ok, ça s'arrête là-bas. Ici. Et voilà. Et là on va juste replacer bloc. Alors je vais mettre voilà un petit set day. Ok, donc ça c'est fait. Alors je vais vous montrer ma commande. Donc enfin ma commande, la commande World Edit. En fait, en gros, le haut du vaisseau, vous voyez, il est un petit peu comme ça. Pour faire brièvement, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et moi, j'aimerais en fait, pour m'éviter, parce que ce serait hyper long de vraiment refaire sur le dessous, surtout que vous savez que travailler le dessous, c'est beaucoup plus dur que travailler le dessus. Pour faire le dessous, ça va être super compliqué. Donc, il y a une commande et vous prenez un bout. En fait, comme pour les autres commandes, un bout à l'autre, vous faites slash copy, slash... Alors, vous vous mettez plutôt où vous voulez qu'il soit copié. Par exemple, on va se mettre ici, slash copy. Hop, attendez, slash copy, slash flip. Voilà, ici, le bloc était là, donc on va juste imaginer que ça, c'est plus haut. Et on va se placer donc, parce qu'il y a un. Donc on est à 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Hop, on va se mettre là. Slash past. Voilà. Ah oui. Enfin, c'est l'inverse, je veux dire. Et voilà. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que ça nous a tout simplement vrillé la forme, en fait. Et donc vous voyez que là, les deux, si elles étaient plus hautes, on pourrait les assembler. Donc là voilà, donc ça c'est assez cool comme outil, c'est vraiment top. Donc je vais m'en servir pour la partie suivante, je vais vous montrer. Je vais m'en servir pour... Ah c'est marrant, il y avait ça, j'ai pas fait attention. Ouais, donc je disais, je vais m'en servir pour... la partie, toute cette partie là, vous voyez, toute cette partie là, là, on va la mettre en dessous. Et voilà, tout simplement, on va faire un flip. Donc, on va le faire maintenant. Alors, j'espère juste que ça va pas bugger, par contre. Parce qu'il y a moyen que ça bug. Enfin, que ça fasse crasher le PC. Enfin, le PC. Que ça fasse crasher Minecraft plutôt. Hop, voilà, slash wither clear, on se prend pas la tête. Donc là, on va aller au bout. Et j'ai eu aussi beaucoup d'idées sur le dock, on va dire, du vaisseau. Je vais le changer. Et je vais... Ouais, c'est quand même... Minecraft, c'est quand même plus propre avec les ombres. Je vais quand même changer, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais faire une sorte de gros... Oh, je pense que là, c'est bon. Une sorte de gros un gros bac qui sera égal des deux côtés. Donc on va un petit peu casser la base de l'autre côté. Mais c'est pas grave. Et je vais travailler un petit peu tout ça et faire des bâtiments à l'intérieur et tout. Je pense que ça va être cool. Mais ça sera vraiment pour plus tard. Pas pour maintenant. Je vais d'abord attendre que le vaisseau soit fini. J'ai bien pris le bloc en compte. Ouais, je vais casser ces deux blocs parce qu'après ça il reste des blocs et on sait pas d'où ils sortent. Eux c'était quand je faisais le vaisseau. Hop, attendez. On va prendre là. Oh putain.
Alors il y a une commande aussi pour monter un bloc. Ah ouais, mais du coup. Merde. Oh putain, je suis abruti. Bon, attendez, là je perds un peu de temps. Bah, ou alors sinon. Comme de toute façon, j'ai peur que ça bug un peu, peut-être. Je vais faire une ellipse et on se retrouve. Ça aussi, je pense que ça va sauter là. Hop. Et je vais continuer encore un peu à prolonger le vaisseau. Ouais, ça va être pas mal. Mais ouais, donc je vais faire une ellipse. Le temps de le finir et on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Yo les gars, donc c'est bon. J'ai fini de faire le dessous. Enfin, de faire le copier-coller là. Et j'ai eu un gros freeze. Donc voilà. En fait, c'est tout simplement exactement la même chose, mais qu'au-dessus. Donc, bon, ça reste. Il faut encore que ce soit travail. Hein. C'est pas travail, bien évidemment. Mais voilà, après retirer, vous voyez les blocs par-ci par-là que j'ai utilisé pour faire le copier-coller, parce que je l'ai fait en plusieurs fois, parce qu'en fait, en une fois ça crachait. C'est bien ce qui me semblait, c'était trop gros pour que ça crache pas. Donc voilà. Donc là voilà, on a un dessous de vaisseau, un dessus, donc c'est plutôt pas mal, ça commence réellement à prendre forme. Je suis plutôt content. Et j'ai eu une idée aussi, ici en fait, là, sur ce trou, on va faire des canons. Bah, y aura des canons. Je vais creuser un petit peu ici aussi et faire des canons, des tourelles de chaque côté, en bas et en dessous du vaisseau. Voilà, ça va être des protections. Il y aura deux tourelles. Voilà. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, en fait, j'ai beaucoup de hors caméra. En fait, je pense pour finir la coque. Pour finir la coque. Ah oui, si, voilà, ça y est, je me souviens. Donc regardez ce qu'on va faire. Donc là, je vais le faire avec vous. Comme ça, voilà, ça va être cool. Là, par contre, il faudrait que je supprime ça. Ça, je la trouvais plutôt jolie, la plateforme. On va garder la plateforme. Bah, quoi que la plateforme, si je la supprime. Si je supprime le truc et tout. Ah non, c'est parfait. Ok. Donc là, on va prendre une petite potion. Hop. Je devrais pouvoir. Voilà, supprimer. Donc ça, comme ça. Ok. Ok. Ok, donc on va faire de là. On va prendre à là. Hop, cut. Et on va essayer de prendre de là. Non, au plus haut. On va faire au plus haut. On va prendre. Mince. Il faut que je récupère la hache. Hop, elle est là. Voilà. Donc de là. Hop, on va descendre. Ah. Là. Parfait. Ouais. C'est pas trop ce que je voulais. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va travailler manuellement maintenant. Mince. Hop, de là. Donc ça, on veut l'enlever. Voilà. Commence à faire nuit. Et voilà. Donc ça, je vais me mettre là et on va supprimer tout ça parce que ça fait dégueulasse, tout simplement. Hop, donc voilà, de là à. Oh, ça devrait être bon. Ah là, on va regarder si ça n'a rien supprimé du vaisseau, donc c'est parfait. Et maintenant, ça, on peut le faire à la main. Donc voilà, ok, donc j'ai supprimé ça. Ah, la pluie. Slash Wither Clear. Hop. Donc voilà, là on a ça qui est retiré. Malheureusement, ce vaisseau là a pris cher, mais on va le supprimer aussi, c'est pas très grave. Donc, ce que je voulais faire, c'était ça, regardez.
On va prendre à partir d'où? Est-ce qu'on se laisse deux blocs? Je sais pas. Parce que deux blocs, ça ferait ça. Et ici, ça nous ferait ça. Et ça nous ferait ici. Ah ouais, une grosse hauteur. Ouais, bah deux blocs alors on va faire. Donc, à partir de lui, donc c'est celui-là. Donc, un de celui-là, voilà. Et on va aller maintenant tout au bout. Tout au bout du vaisseau. Vous allez comprendre. Allez. Donc là, je suis plutôt content en fait. Il commence réellement à prendre forme. Là, il n'y aura plus que dans pas longtemps, je pense, l'intérieur. Là, ça, voilà, ça va être les finitions de la coque. En hors caméra, je vais finir la coque. Prochain épisode, je pense qu'on verra le cockpit. Et puis, ce sera pas mal. Donc là, hop, hop. Ici, voilà. Et donc là, maintenant, on va faire slash slash. Copie et on va se décaler juste de deux blocs slash slash past. Ah, c'est en train de charger. J'espère que ça va pas faire tout crasher. Non, ça va. Ça a chargé, c'est juste un peu en train de ramer. Ok. Pourtant, le décalage est effectué partout. Il me semble là-bas, ça a l'air bon. On va attendre encore un petit peu. C'est pas encore bon. Ah. Non, même pas. Même pas, même pas. Bah... Je vais redémarrer Minecraft. Ouais. Allez, je le redémarre et on se retrouve après. Les gars, donc c'est bon, j'ai fini les deux côtés, comme ça c'était plus simple. Ça a crashé, je sais absolument pas pourquoi, vraiment. C'est complètement... Enfin, il n'y a aucune raison en fait, parce que la première fois... En fait, je pense, en fait, c'est quand je filme. Ça doit prendre beaucoup de ressources et du coup ça me fait crasher. Mais là, il n'y a pas eu de souci du tout. Donc voilà. Donc là, on va aller là. Je vais juste rapidement supprimer ça. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Ça rend franchement pas mal. Mais alors, vraiment, vraiment pas mal. Moi, ça me plaît beaucoup. Hop. Hop, voilà. On va se mettre là. Là. Cut. Slash slash cut. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais supprimer ça rapidement. De là. À là. Hop. Voilà. De ici plutôt à là-bas et ça va être bon. Hop. Donc voilà, ouais, donc le résultat final est plutôt sympa. Ça fait, vous voyez, une sorte de d'avancée en fait. Tout le reste du vaisseau fait est avancé, on va dire. Sauf cette partie centrale, ça fait une partie, on va dire, plus protégée. Enfin, je sais pas, mais je me suis inspiré de vaisseau Star Wars un petit peu, du classe Venator qui est comme ça. Et je trouve que ça rend pas mal. Donc, en fait, voilà, il y a
pas spécialement de grande utilité ou quoi, mais c'est juste que moi je trouve que ça rend pas mal. Donc voilà. Et puis bien évidemment, je changerai les couleurs parce que là, avec le contraste, on voit pas trop, mais avec une couleur plus claire, avec un gris, enfin avec la pierre, je pense, peut-être. Ça va être pour plus tard. Mais je pense que ça sera vraiment pas mal. Je vais supprimer ça comme ça, on sera bon. Hop. Voilà, il y a celui-là. Ici. Bon, non, ici. Voilà, et ces deux blocs-là. Et voilà, alors ça fait combien de temps que je tourne? Ça fait deux. Parce qu'en fait, je sais pas du tout combien de temps j'ai tourné. Là, je crois que c'est ça, 8. Ok, donc ça va, on a encore 5-6 minutes. Donc, alors, je vais en profiter sur ces dernières minutes. Donc là, on aura un petit peu avancé, pas énormément, mais on aura avancé ce qu'il fallait pour que dans le prochain épisode, alors là, ça m'a fait ça, je sais pas pourquoi, pour que dans le prochain épisode, quand vous allez vous reconnecter, enfin, quand vous allez regarder la vidéo, je dis n'importe quoi. Tout sera fini. Alors là, comment je... Bah, ça, je vais... Bah, vous savez quoi, on va faire ça rapidement. Parce que ça, je savais déjà comment le faire. Hop, hop, comme ça. Comme ça, comme ça. Et en gros, quand vous allez... pour le prochain épisode... toute la carcasse sera finie. Et on n'aura plus... que le cockpit à faire, voilà le poste de pilotage du vaisseau. Donc tout le reste sera fini, sauf la partie centrale où il y aura les hangars pour les petits vaisseaux. Celle-là ne sera pas finie, mais c'est volontaire parce que vous allez voir comment je vais la faire et tout. En revanche, tout le reste sera fini parce que le reste c'est que des choses inutiles, on va dire. C'est voilà, il y a ça à faire, je vais le faire maintenant, mais ici. Bah, des trous, c'est des trous à boucher par là, c'est voilà. Ici, finir de combler, ici pareil, ici boucher les trous, et là boucher les trous, voilà. Donc tous ces trucs-là, c'est de l'hors caméra, ça sert vraiment à rien que je le fasse avec vous. Et donc voilà. Et ici, moi, je voulais mettre de la pierre. Par contre, hop, comme ça. Ouais, ça le fait. Hop. Voilà. Hop. Et donc là, on va le faire de là à là. Slash slash set one. Voilà. Juste m'assurer que ça n'a pas abîmé le dessous. Pas du tout. Donc là. Après, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. On verra. Je ferai peut-être. Ouais, on va. Pour l'instant, je sais pas, mais on verra. Peut-être que je. Ah, parce que, ouais, non, en fait. Là, je peux vraiment pas trop dire ce que je vais faire parce que il faut que l'intérieur du vaisseau soit fait pour que je puisse vraiment déterminer ce que je vais faire. Mais sinon, c'est assez compliqué. Hop. Voilà. Voilà. Et ici. Et de là à là. Voilà, et l'autre côté. Ouais, ça fait quand même une super grosse surface, mine de rien, en fait. Parce que ça paraît pas si gros que ça, cette partie-là du vaisseau, mais mine de rien.
elle est assez grosse quand même, en fait. Parce que là, au final, quand on sera là, au final, maintenant, le vaisseau sera beaucoup plus gros parce qu'on pourra aller en dessous aussi. Et ça m'arrange beaucoup. Notamment pour les chambres des soldats. Alors, combien il y aura de chambres, je ne sais pas. En revanche, j'ai une petite idée sur le nombre de vaisseaux. Je comptais en faire, c'était 8 et 8, 16 et 16, 32 vaisseaux. Il y aura 32 vaisseaux de petite taille. Pour les chambres, je comptais faire des chambres de 20, de la taille comme on a dans le hangar, dans le hangar de la base. Et il y a moyen qu'il y ait 200 lits. Donc qui dit 200 lits dit 200 soldats et tout. Donc on verra exactement combien je ferai plus tard. Mais bon. Donc voilà, ça c'est fini. Je vais juste regarder. Ça, je peux rester encore un petit peu. Parce que autant en fait, des fois je fais pas attention. En fait, les vidéos sont un peu longues et c'est vrai que quand c'est trop long, bah c'est pas top. Un petit 7 day. Mais là aujourd'hui, je suis content parce que j'ai bien avancé. Enfin, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Ouais, si ça rend bien. Et puis là, on fera peut-être une ouverture, on verra. Pour je sais pas trop quoi, on verra. Mais ça va pas. Enfin, ça va pas vraiment. Ça va rester comme ça, mais je rajouterai des choses parce que là, c'est trop plat. Donc ça, ouais. Ouais. Et la porte centrale. En fait, en gros, les robots vont être derrière. Les robots de combat, ils vont être derrière. Alors, est-ce qu'ils seront derrière là? Ou ici, c'est ça en fait que je sais pas, parce que ça change beaucoup. Donc on verra, mais ils seront derrière. Ils seront derrière. Ouais, ils seront derrière. Et là, je réfléchis. Je pense que deux robots de combat, c'est suffisant. Vous savez, les gros robots là, si j'en mets que deux, c'est suffisant. Il y aura aussi des petits robots de combat. Il y aura des chasseurs. Et il y aura les bombardiers là. Et on va mettre des transports de troupes, vaisseaux et des chars quand même. Parce qu'il faut un peu de chars. Donc ça sera pour la partie hangar. Pour la partie du dessus, on aura les chambres. Un grand couloir principal avec les chambres à côté. Donc ça, ce sera peut-être sur uniquement le dessus ou uniquement le dessous, je ne sais pas. Et à un endroit, il faudra que je mette, voilà, bah, comme j'avais fait dans l'autre, une salle de sport, une salle de détente, une cantine, une salle des machines, une salle des, vous savez, des, comment ça s'appelle, des ordinateurs là. Enfin, il y a plusieurs salles d'ordi qu'il faut que je mette. Une salle de stand de tir comme j'avais mis aussi. En gros, il faut qu'il y ait tout comme l'autre vaisseau concentré dans ce vaisseau. Est-ce que ça devrait être largement faisable? Parce que là, en fait, si vous voulez ici, il faut que je regarde, mais je crois que là, il y a ça, c'est suffisant. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il doit y avoir 10 de hauteur. Ça devrait le faire parce qu'en fait ici là regardez ça et là 1 2 ouais, ça c'était là ça c'était bah la salle du moteur, ouais, bon, qui était petite. Du petit réacteur, avec tout ici, toutes sortes de salles d'expérimentation, etc. Et moi, une salle que j'aime beaucoup, si j'arrive à la retrouver. Ah, voilà, elle doit être au fond. Ouais, voilà, c'est ça, elle est au fond. Donc, en fait, ce que j'aime bien dans ce vaisseau, c'est qu'il y a beaucoup de couloirs qui partent un peu partout, mais ça fait assez sympa, je trouve. C'est cette salle-là que j'aime bien. C'est con, hein. C'est toute cette partie-là, en fait. J'aime bien. On arrive ici, voilà, on a des ordis ici, et là, on a les terminales. Enfin, les ordis, enfin des. Ouais, des.
Des gros ordis, et puis là on arrive sur ici les lance-torpilles, mais bon, maintenant voilà, c'est dépassé, on va dire, cette technologie, et on va plutôt se concentrer sur des canons automatiques et des tourelles automatiques. Et là on arrivait ici pour sortir, on dépressurisait le sas, et on pouvait, avec un, à l'aide d'un bouton, sortir. Voilà, sortir en dehors du vaisseau. Donc, est-ce que sur l'autre on fera ça? Je pense. Parce que je pense qu'il y a largement de quoi faire avec les deux hauteurs qu'il y a. Et ouais, ou au pire, on fera en dessous et au-dessus. On fera les chambres en dessous et au-dessus, on s'occupera de tout le reste. Après, on pourra s'occuper des côtés. Parce qu'il n'y aura pas que les hangars sur les côtés. Les hangars vont pas tout prendre. On va prendre une grosse partie du vaisseau, mais pas tout. Et puis, on va aussi... Parce que là, en fait... Là, on a combien, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6, c'est un peu juste. Bon, je rajouterai une couche, de toute façon, pour les... Il y aura une couche supplémentaire. Donc, ça fera 7. Donc, ça fera... Je pourrais faire ici 2 étages. Donc, 3 et 3. Et en dessous, c'est pareil. Une autre couche, donc 3 et 3. Donc, ça fera 4 étages. 4 étages plus le hangar, donc 5 étages au total. Le vaisseau aura 5 étages, 5 niveaux. Tandis que lui en avait 1, 2, 3. Bah, il en avait 4, lui. 4, mais 4 petits en fait. Lui sera beaucoup plus serré. Et le problème, en fait, sur ce vaisseau là, j'avais tout misé sur. Les chambres et les. L'équipement intérieur. Et pas du tout sur la. Sur le hangar, parce que là le hangar n'a strictement rien à voir. Donc pour ceux qui suivent ça et qui n'ont pas vu ce vaisseau, je vous invite à aller le voir. Voilà, là c'est la taille totale du hangar du vaisseau. C'est y a que ça, il y a uniquement ça. Donc ce hangar là en fait peut même pas accueillir le bombardier, alors que l'autre il sera sera vraiment gigantesque, l'autre hangar, comparé à lui. De toute façon, le vaisseau en lui-même est bien plus gros que celui-là. Donc, voilà, voilà. Il y aura aussi des petits robots comme ça et les autres petits robots de combat. Donc, ça va être assez sympa, je pense. Bah, écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Et puis, bah, donc, comme je vous ai dit, pour le prochain épisode, je finis tout. Et il restera uniquement le cockpit et les portes ici que vous allez voir, je vous montrerai. Et on fera ça dans le prochain épisode. Et après, donc après cet épisode là, on va directement attaquer l'intérieur du vaisseau. Donc il vous reste encore un épisode et on va attaquer l'intérieur. Je vais essayer de les sortir rapidement. Et puis voilà, sinon je vous souhaite la bonne année parce que là normalement à l'heure où vous allez voir la vidéo, on sera le 1er janvier je pense. Je pense. Sinon, c'est que j'ai été beaucoup plus rapide sur le plot de la vidéo, sur le temps de plot, et je ne pensais pas. Mais voilà, bon, dans tous les cas, voilà. Et puis voilà. Bah écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Partager, c'est super important. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis, je veux bien. Ciao tout le monde. What?